Je m'appelle Étienne Prioux et je suis l'heureux directeur de Château Beaumont depuis 18 ans. Avec ce millésime 2015 qui s'annonce extrêmement prometteur, j'entame mon 19e millésime. La création du vignoble du Château Beaumont date de la fin du 18e siècle et le magnifique château d'un style renaissance à la Mansart a vu le jour en 1847. De nombreux propriétaires se succédèrent durant le 20e siècle, dont un lieutenant-colonel de Caracas et un sénateur du Venezuela. Aujourd'hui, Château Beaumont fait partie de la société Grand Millésime de France, comprenant Château Bechefeld, cru classé de Saint-Julien, et le négoce Barrière Frères. Les actionnaires de cette société sont les groupes Castel et Saint-Ory. Implanté sur la rive gauche de la Gironde, entre les villages de Margaux et Saint-Julien, le Château Beaumont puise sa finesse et sa délicatesse dans les graves profondes des meilleurs sols de notre appellation au Médoc. Les Cabernet Sauvignon pour 54%, les Merlot 42% et le Petit Verdot à 4% s'y épanouissent pleinement. Château Beaumont est reconnu cru bourgeois et a fait le choix d'une production viticole raisonnée selon le cahier des charges Terra Vitis, visant à produire un raisin de qualité dans le plus grand respect de l'environnement. La production est d'environ 600 000 bouteilles par an, exclusivement en vin rouge. L'étiquette représente le superbe Château Beaumont. Un sticker cru bourgeois est apposé sur la capsule pour assurer l'authenticité de chaque bouteille. En 2013, lors de la fête de la fleur au Château Lagrange, j'ai rencontré Aurore. Élégante et passionnée, elle est depuis l'excellente ambassadrice de Château Beaumont en Chine. Je souhaite de déguster Château Beaumont souvent et d'y prendre plaisir. À bientôt.